Ok, donc vous avez lu le titre. Aujourd'hui, nouvel épisode de Live Compo. On continue sur notre lancée. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite prod avec un petit sample de Trippie Redd. Un bon sample Rage. On va caler des drums rapides et un peu drill. Et du coup, c'est parti. Ok, donc là, on est sur le projet. Sur le projet FL. Du coup, on voit que le son de Trippie Redd, c'est MP5 avec Sofego. How about a GT3 with an MP5? Yeah, I got ice like Alaska jet to Dubai. Okay. C'est du 150 BPM. Et du coup là on est à 170. Du coup on va baisser les deux. Voilà, 150. Hop là. Et du coup là en fait, là j'ai l'instrumental et là j'ai le son original. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le début du son original jusqu'à ce qu'il y ait les drums qui rentrent. Et on va mettre après l'instrumental. Parce que, enfin après vous allez capter de toute façon. Mais déjà on va faire juste un truc avant. Avant que j'oublie. Hop, on va faire un petit cut juste là pour qu'on se repère. Et du coup là on va mettre là. Comme ça, ça je le fais souvent. Et là, on va faire un petit cut ici, par exemple. Parce qu'on n'a pas besoin de la fin. Hop là, tac. On va faire un deuxième. Là, deux. Voilà, et là, on va réaugmenter le BPM. On va le remettre, ouais, 66, 67, ouais. Parce que là, on va faire des drums un peu vraiment drill rapide. Du coup, bah, il faut que le BPM soit un peu plus rapide. Du coup, là, on va recaler les deux comme as. Je vais vérifier que tout est bon. Hop là. Ok, ça c'est bon. Et là, hop là. Et tu sais quoi, je vais pitcher direct, comme ça il n'y aura pas de problème de droit d'auteur aussi. Et pendant que je fais ça, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Parce que là, on va faire une bonne petite prod qui sera d'ailleurs disponible sur ma chaîne SB2X. Là, je fais toute la promo. Hein. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne SB2X. Voilà. Ok, du coup, là, on a les deux instrus. On va recaler ça. On va mettre au même pitch, comme ça ce sera carré. Ok, là il y a un délire. Attends, si je pitch. Attends, zut. Ouais, si je pitch de 2, vas-y, on va tester 2 pour voir ce que ça donne. Ah, peut-être qu'on va pitcher de 1. J'aime bien l'énergie quand c'est un peu plus aigu. Ouais. On va remettre ça bien, comme as. Voilà, c'est là qu'on va cut et c'est là qu'on va utiliser la deuxième sample là. Celle-là. Ok, donc on fait ça, et ça, on va le caler là, on va voir. Ouais. Ok, on est bon. Je vais faire, en tout cas, on va faire un petit fade in, fade out. Ok. C'est pas forcément les mêmes instruments, tout ça, tu vois, on sent qu'il y a un petit changement entre les deux. Mais c'est pas grave, en vrai, c'est pas grave, c'est pas gênant. Non, c'est quoi, attends, on va d'abord enregistrer le tout. On va écouter aussi en même temps pour voir si c'était carré. Voilà, et donc là on voit que là c'est à peu près le même niveau. Et là on va commencer le petit mix de la mélo. On va mettre en 25 parce que je crois que j'ai déjà appliqué des petits effets. Hop là, ok. Ok. On va mettre un petit effet, hop là, on va juste tester. Comme ça, il y aura un petit peu des changements pendant le couplet, tu vois, pour pas que ce soit trop répétitif. Non, il y a un délire. Ok, c'est quoi ça, on va le mettre pour là, on va le mettre pour le deuxième couplet. Enfin, non, pour la deuxième partie du premier couplet. Et on va faire la même chose ici. Et voilà, on va recaler ça. Ok. Hop là, voilà. Et là on va juste faire, est-ce qu'on peut pas mettre un petit halftime? Voilà, pour le pré-refrain, on va faire ça. Pour le pré-refrain, un petit halftime. Bon, on va faire ça. Et voilà, en vrai. Et après. Ok, vas-y, tu sais quoi, on va passer aux drums direct, hein. Là, on est sur un bon truc. Alors, le kick. Alors, j'ai déjà la basse, c'est elle. Voilà, c'est la basse d'Isos, je crois, dans le drum kit d'Isos. Ouais, et parce que là, on va faire une petite drill bien rapide et celle-là, elle est vraiment méchante. Mais tu sais quoi, attends, on va prendre un petit kick. Tac. On va prendre lui, tiens.
Attends, on va augmenter un peu. Ok, on va juste baisser un peu. Genre en faire une petite montée, tu vois. Pour les petits kicks là. Hop, hop, et hop. Non, c'est vénère, c'est vénère, c'est vénère. Eh, mais là, on est rapide, hein. On va passer direct à la petite snare. Bon, voilà, c'est bon. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. On va rajouter des petits open hats. Hop, 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 hop. Ok, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Là il y a un petit FX que j'aime bien aussi qu'on peut. On va suivre le kick. Enfin les moments importants du kick. Vas-y, c'est quoi, attends, hop. Voilà. Ok, voilà. Ça j'aime bien. Ça donne toujours un peu plus de rythme. Vas-y, qu'on va faire les hats direct. Hater, je l'aime bien là. Hater, elle est pas mal. Hater, elle a un bon truc. Et là, on va caler, tu sais quoi, pour pas que ça se répète trop, on va faire un petit changement en triolet. Là, cela. Non, lui, on va le baisser encore un peu. Voilà. Ouf. Oh non, c'est vénère. C'est vénère, c'est vénère. Peut-être qu'on va changer le pattern parce que je crois que le kick il tape trop en fait. Peut-être là, attends. Voilà. Et là aussi on va changer un truc. Vous voir. Voilà, je pense que c'est mieux. Parce que là le kick sinon il va nous saouler au bout de 2 secondes frère. Vas-y, tu sais quoi, on va essayer de caler les petites 808. Ok. On va voir si c'est les bonnes notes. Ok, ça passe, ça passe. Ouh. Ah non, c'est vénère, c'est vénère, c'est vénère. Attends, du coup, on va dupliquer, on va faire quelques petits changements. Ok, vas-y, attends. Ok, c'est bon. Bon, on a la prod en vrai, hein. On a la prod. C'est bon, je crois qu'on a la prod. Franchement, là, je suis content. Une prod assez. On l'a fait assez rapidement. Ce qui est lourd, c'est que vu qu'il y a la template, la structure, elle est déjà faite, tu vois. Et en plus, vu que c'est une structure que j'avais déjà utilisée, du coup, elle passe bien. Donc, ça, je kiffe. Le sample, j'aime beaucoup. J'avais déjà fait une instru Trippy Red. Il y a un an ou deux ans. Que même Kershak il avait validé. J'avais fait une jersey Trippy Red. Il y avait Sto aussi qui l'avait validé sur TikTok. Et non, franchement, j'étais fier et je me suis dit, tu sais quoi, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Une rage drill, tout ça. Et les drums, drums drill bien rapide, bien énervé. En vrai, qui se concorde bien avec la mélo qui est assez, tu vois, enragée. Et du coup, on va s'écouter ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de la prod en commentaire. D'ailleurs, la prod est dispo juste ici. Et il y aura aussi un lien en description pour l'écouter ou même l'acheter. N'hésite pas à liker cette vidéo parce que ça peut vraiment la booster et ça permet à plus de gens de la voir. Et aussi, abonne-toi parce que là, on est en train de grinder et faut être dans la team dès maintenant. Donc, vraiment, abonne-toi. Et du coup, on s'écoute la prod. C'est parti. Non, c'est vénère. Oh non, l'effet là il est trop lourd. L'effet grosse beat là, incroyable. Ouh. Non, non, c'est trop lourd. Loulouloulou.